Jérusalem n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Jérusalem n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Jérusalem n'est pas à toi. Israël, casse-toi. On s'indigne sur Jérusalem. Mais attendez, vous savez, est-ce que vous savez qu'à Montpellier, depuis 40 ans, à Montpellier, depuis 40 ans, vous entendez 40 ans, il y a chaque année une fête organisée par le Centre communautaire culturel juif avec le CRIF et tous les sionistes de la région. Il y a une fête qui s'appelle la Journée de Jérusalem. Et cette fête commémore Jérusalem, capitale une et indivisible de l'État d'Israël, capitale une et indivisible du peuple juif. Voilà cette fête. Et vous savez qui c'est qui va à cette fête? Tous les ans, ça a été créé par Georges Frêche et le Parti Socialiste en particulier. Eh bien, tous les ans, les élus de la région, du département et de la ville de Montpellier, M. Sorel en tête depuis qu'il est maire de Montpellier, eh bien, tous ces élus vont à la fête de commémoration de Jérusalem, capitale d'Israël. Alors on s'indigne, les mêmes élus s'indignent de ce que dit Trump. Mais eux, ils le font depuis 40 ans à Montpellier. Depuis 40 ans à Montpellier, vous vous rendez compte de ce scandale vivant? Depuis 40 ans à Montpellier, on dit, oui, Jérusalem est la capitale d'Israël. Et personne ne bouge. Avant, il y avait même, du temps de Frêche, il y avait des banderoles ici à l'esplanade qui marquaient Jérusalem, capitale d'Israël. Jérusalem, capitale du peuple juif, etc. Voilà. Ils ont reculé depuis 2009, on fait des manifestations. C'est au mois de juin, on fait des manifestations chaque fois, ils ont reculé. Mais quand même, ça continue, et avec l'argent des contribuables. Alors nous demandons aux élus, et vous devez demander aux élus, vous devez leur demander, ça suffit maintenant, prenez position et boycottez cette fête. On leur demande de boycotter cette fête, parce que ça suffit, il faut mettre les actes en accord avec les paroles. Voilà.